mes beautés, bonjour. Alors là, je commence par montrer les dosages d'une crème neutre à partir de laquelle je vais fabriquer mes deux crèmes. Donc voilà, rien de compliqué, c'est hyper facile à réaliser. Je pense que vous commencez à être des pros, ça j'en suis persuadée. Donc voilà, alors ce que je vais faire là, je vais commencer par fabriquer notre crème anti-âge. Deux jours, l'idée est d'hydrater, de raffermir, de lisser et d'éliminer le teint. Donc je vais diviser ma crème de 100 ml en deux pour avoir deux pots de 50 ml. 50 ml c'est largement suffisant pour prendre soin de la peau du visage pendant 2 à 3 mois. Alors je viens commencer par rajouter mon acide hyaluronique. Hein. Je veux dire, si vous pouvez vraiment vous en procurer, n'hésitez pas. L'acide hyaluronique est très très top, mais franchement top pour la peau. Donc on vient hydrater, on vient favoriser le renouvellement cellulaire, on vient combler les rides et les ridules et on vient jouer sur l'élasticité de la peau. Ensuite, je vais rajouter mon relax-rides, c'est un anti-rides purement et durement. L'idée ici, c'est de combler et de lisser les rides. Je viens rajouter en plus mon coenzyme Q10 qui est un anti-âge et un puissant antioxydant. Donc moi, j'approche de la quarantaine, donc je suis à fond dans les produits anti-âge. L'idée, c'est pas d'arrêter de vieillir, hein, c'est vraiment de ralentir le vieillissement cutané. Et comme j'ai la peau mixte à grasse, je viens rajouter l'algozang qui sera là pour purifier ma peau et pour empêcher le développement des micro-organismes à la surface de ma peau. Donc voilà, ça suffit largement pour une bonne crème de jour hydratante. Ça suffit largement. Alors, vous pouvez rajouter ou non une fragrance ou un parfum. Moi, j'estime qu'une crème qui sent bon, ça participe au bien-être de la personne. Donc voilà, ça c'est personnel. J'ai rajouté mon petit parfum et ça sent super bon. Je suis dans le kiff total. Donc voici notre crème qui est prête. Honnêtement, la texture, elle est juste waouh. Elle pénètre rapidement dans la peau. Ouh, je l'adore. Je l'adore, je vous assure. Et ça fonctionne. Là, vous allez prendre un pot propre ou un contenant plutôt stérilisé et bien désinfecté propre parce que on est sur des cosmétiques. Il faut absolument respecter les règles d'hygiène. C'est méga important. D'autant plus que cette crème, je vais l'utiliser au bas mot 2 mois. Donc, l'idée ici, c'est vraiment de la conditionner histoire qu'il n'y ait pas de développement de micro-organismes à l'intérieur. Donc, voilà à peu près ce que ça donne. Vous pouvez juger par vous-même, mais je pense que si vous arrivez à réaliser cette crème, vous m'en donnerez des nouvelles. Voilà. Donc, hop, on ferme le tout. On va passer à la fabrication derrière de la crème de nuit. Donc, je vais prendre le reste de la crème et on va passer à la fabrication de la crème de nuit. Alors, le but ici est de nourrir et raffermir la peau, lisser et combler les rides et ridules, estomper les taches pigmentaires et éclaircir le teint. Donc, et pour cela, vous avez besoin de l'acide hyaluronique. Hein. Donc, si vous l'avez, ne vous en passez pas. Abusez si vous voulez vraiment de cet acide parce qu'il est juste magnifique. Parce qu'il fait vraiment... c'est plus un secret pour personne, donc n'hésitez pas à en abuser. Vous avez besoin des achats, donc des achats, vous savez qu'ils sont là pour stimuler le renouvellement cellulaire, pour estomper les taches et pour jouer sur l'éclat du teint. Pour venir renforcer cette action clarifiante, j'ai rajouté 20 gouttes de mélanorégule. L'idée est de réguler la production de mélanine. Vous savez, c'est la mélanine qui est responsable de la coloration de la peau. Donc, la réguler, la freiner un tout petit peu, permet de clarifier le teint. Ensuite, je viens rajouter ma vitamine E. Vous le savez, je l'adore, la vitamine E. Donc, voilà, elle est antioxydante, elle est anti-âge. Je viens rajouter 5 gouttes de palmarosa. C'est une huile essentielle qui est là pour jouer sur l'éclat du teint et pour réguler aussi la flore microbienne à la surface de la peau. Pareil, je viens rajouter mon parfum, ma fragrance, 10 petites gouttes. Et j'ai ma crème qui est juste au top. Donc voilà, c'est une crème de nuit. Donc vous allez systématiquement l'associer à votre sérum de nuit pour vraiment travailler sur l'efficacité des produits. Le sérum et la crème vont toujours ensemble. Si vous n'aviez pas l'habitude d'utiliser le sérum, c'est maintenant ou jamais. Alors, pour faire un code couleur, pour ne pas confondre les deux produits, j'ai choisi le petit pot un peu foncé, violet, et puis il est trop beau. J'adore, moi, ce contenant d'Aromazone. Moi, je trouve franchement très, très beau. L'esthétique, c'est aussi ça, le visuel. Donc, il faut que le visuel vous plaise déjà et que le contenu vous plaise aussi. Donc, voilà mes deux crèmes. Maintenant, voilà toute ma gamme entière et on va passer à l'application de tous ces petits produits. Donc, voilà mon visage il y a une semaine à peu près. Là, je venais de rentrer
ce n'était pas catastrophique, mais j'ai eu une apparition de boutons en rentrant en France. C'était vraiment pas terrible. Il y en avait de partout. Enfin, ma peau était dégueulasse. C'était franchement pas beau. Et donc, je me suis dit, allez, tu attaques tout de suite et tu arrêtes de chialer. Bon, vous avez besoin de nettoyer votre peau en profondeur. La première étape, c'est de nettoyer. Ici, j'ai mon savon maison que j'ai fabriqué avant de partir. Enfin, je l'ai fabriqué il y a 2 mois. Il était juste prêt, il m'attendait au bon moment. Et j'utilise aussi, je vous montrerai le tutoriel si vous voulez. Je sais déjà que, ah, tu peux me montrer. Bon. Le tutoriel n'est pas réussi, mais je vais quand même vous le montrer. C'est mon premier savon, c'est une valeur. Et surtout, le savon, il est vraiment efficace. Sans exagérer, le savon fait du bien à ma peau. Cette petite brosse, je l'ai achetée chez Nocibé, elle me coûtait 7 € et des brouettes, et je la trouve vraiment, mais vraiment efficace. Quand j'ai vraiment envie de bien nettoyer ma peau en profondeur, d'en prendre soin, il y a un côté avec des poils, c'est ce côté un peu relativement doux qui vient caresser, et l'autre côté en picot, en silicone, vraiment il est là, vous pouvez, quand on l'utilise, vous faites des petites pressions pour masser. Ça aide à relancer la circulation, hein, au niveau de la peau, et du coup bah, ça favorise le renouvellement cellulaire. Et les petites pressions de massage, ça masse tout simplement la peau, ça fait un bien fou. Non mais sérieux, ça fait vraiment du bien à la peau. C'est aussi un moment de bien-être quand on est dans sa salle de bain et qu'on prend soin de soi. C'est votre moment à vous, c'est notre moment à nous. Il faut en abuser les filles, hein. On a trop de problèmes à gérer au quotidien, donc si vous pouvez prendre 1 heure pour vous dans la journée, ça n'est pas volé, ça n'est pas du luxe, c'est normal. Petite parenthèse terminée. Donc une fois qu'on a fini de bien nettoyer la peau, on va tout simplement rincer et ensuite on va passer à l'application du gommage. Là, le gommage, comme vous le savez déjà, vous pouvez ne pas le frotter parce qu'il y a des enzymes dedans. Qui vont favoriser l'extraction des cellules mortes. Alors le gommage se fait toujours sur une peau humide les filles. Donc voilà, si votre peau elle a séché, il faut la réhumidifier. Ici ça, c'est mon eau thermale, pour mettre de l'eau du robinet, ça marche très bien aussi. Et donc voilà, on va venir caresser avec des petits mouvements circulaires. Ça ne sert à rien de frotter comme des folles furieuses, on se connaît. Vous allez bien appuyer pour que ça soit efficace. Non, l'efficacité, c'est dans la répétition. Donc voilà, vous faites des petits mouvements circulaires. La peau du visage, elle est sensible, elle est fragile. Il faut la bichonner, il faut la caresser. De toute façon, ce gommage masque, vous n'êtes pas obligé de frotter. Si vous avez une peau sensible, vous le posez en couche plus ou moins épaisse et puis vous laissez agir pendant 10 minutes. Votre gommage masque sera efficace. Donc voilà, mais comme moi j'ai pas une peau sensible, donc pour accentuer encore le résultat, et ben je fais ça. Et très honnêtement, j'ai comme l'impression que ma peau commence vraiment à kiffer parce qu'elle est juste nettoyée en profondeur. Alors ici je vous montre en live le test pH. La vitamine C est un acide, donc ça peut être agressif pour votre peau. Mais petite précision, il faut savoir que la plupart des préparations avec une concentration relative de la vitamine C, le pH va se situer entre 2,5 et 3 maximum. Enfin, souvent on parlait à 2. Donc là, on reste dans la limite, on est bon. Donc si votre pH commence à aller en dessous de 2, voire de 1, ça commence à être toxique et dangereux pour votre peau. Donc par contre, si le pH est à 4, ça ne sert à rien. Hein. La vitamine C, elle est acide. Donc voilà, on vient appliquer. Si vous êtes allergique, commencez par 2-3 applications par semaine, mais sinon ça devrait aller au fur et à mesure. Donc une fois, bah oui, je vous ai montré, c'est bien entendu à appliquer que le soir. Hein. Donc voilà, que le soir. Ça sert à rien de le faire comme dire, ah je ne sors pas, machin, truc, il y a la lumière. Appliquez ce sérum que le soir avant d'aller vous coucher. Voilà. Donc je viens appliquer mon sérum de nuit, qui est aussi un soin du soir. Donc, voilà, là je vous montre juste ma routine soir. Le sérum de jour sera bien entendu avec la crème de jour, appliquée tous les matins. Hein. Et puis voilà, vous appliquez, vous massez et rien qu'au toucher, votre peau commence à vous remercier. Mais je vous assure que là, je suis après une semaine d'utilisation de cette routine. Je vous montrerai dans mes prochaines vidéos l'état de ma peau. Et puis, ça ne sert à rien que je vous dise que c'est génial alors que vous ne voyez pas. Vous me verrez dans les prochaines vidéos pour y juger par vous-même.
Donc voilà, après je viens appliquer ma crème de nuit. Donc le sérum et la crème vont toujours ensemble.